transformé chimiquement en devenant urine, ça devient haram. Donc, ça n'est pas l'origine qui est fondamentale, c'est l'état en question lui-même. La transformation, elle doit être absolument chimique, pas seulement physique, elle doit aboutir à une nouvelle entité. Elle ne doit pas être seulement superficielle, il ne reste rien du produit originel. Allez, maintenant ta question, s'il te plaît. Alors maintenant, la gélatine, allez, la gélatine. La gélatine. Alors à partir de ça, réfléchissons. Est-ce qu'il y a une... Moi, je ne mange pas de gélatine alimentaire, pour vous dire. Hein? Je ne mange pas. Mais dans mon livre que je vous ai montré tout à l'heure, qui est plus documenté que la conférence que je fais, je donne toutes les références nécessaires. Donc la gélatine, alors bon, on a dit la gélatine végétale, ça ne s'appelle pas gélatine, hein? Ça a un autre nom. Hein? Par exemple, alors ça c'est halal ou pas? Oui. Pourquoi? C'est issu d'une plante, et puis c'est issu d'une plante, mais surtout que l'effet en lui-même, la substance en elle-même, elle n'a pas à être interdite. Hein? La deuxième chose, gélatine qui est tirée des veaux. Hein? Parce qu'on tire aussi des veaux, mais qui ne sont pas saignés islamiquement. Donc si elle n'est pas saignée islamiquement, cette bête, c'est une meïta. Hurrimat alaykum ul meïtatu. Hein? Voilà, c'est le meïta, donc elle est interdite de consommation. Et puis pour le porc, en général, il y a des composés que l'on prend sur la face interne des peaux, mais aussi des os, etc. Alors, pour dire quel est halal ou haram, donc bon, le porc en lui-même, il est interdit, bien sûr. On va poser la question, est-ce que ça a été, est-ce qu'on obtient une nouvelle molécule ou pas? Donc là, on ne va pas chercher le porc halal ou haram. Nous, on connaît la réponse, il n'y a pas de problème. On va faire des recherches. Si vous faites des recherches, vous allez trouver effectivement, moi j'ai fait cette recherche, ces recherches-là, eh bien, vous allez trouver qu'il y a eu une transformation chimique. Je vais vous dire, moi, ça fait maintenant 27 ans que je suis là, en Suisse. Donc, les premières années, machallah, un peu plus que dans ma ville d'Alger, il y avait une sœur qui est encore vivante, qui est très, très malade. Là, allez, inchallah. Donc là, en arrivant, voilà le E471, le E472, et c'est vraiment haram. Pourquoi? C'est le triglycéride, etc. Pourquoi? Ben parce que c'est tiré du porc, justement. Donc durant de nombreuses années, ben voilà, donc c'est normal. On est dans l'obligation de voir qu'est-ce que l'on mange. Non seulement islamiquement, mais aussi tout simplement en tant que citoyen. Je ne vais pas manger n'importe quoi. Donc là où il y avait le E471, c'était interdit. Alors jusqu'à aujourd'hui, sur Internet, vous allez trouver encore beaucoup de choses. Finalement, en cherchant, non. C'est une molécule qui est tirée effectivement de la graisse de porc, mais c'est complètement différent, c'est complètement autre chose. Alors, voilà, c'est complètement différent. La gélatine alimentaire qui est tirée du porc, moi, je n'en mange pas, je n'en prends pas, par principe, c'est tout. Mais je n'ai pas à interdire ce qui n'est pas interdit. C'est une transformation totale et c'est un musulman qui a fait une thèse de son doctorat d'État. Maintenant, il n'y en a pas que lui, il y en a beaucoup, qui ont fait cette étude-là et qui ont montré qu'il y a une transformation de la molécule. Voilà. Ça, c'est le premier principe. Donc, vous faites attention la prochaine fois. Ça n'est pas parce que... Allez, on va répondre à la deuxième question. Alors, oui, votre micro là. Hein? Oui, moi, je n'achète pas. Moi, je préfère aller acheter chez Coop, mais vous pouvez manger sans problème. D'accord? D'accord?
Deuxième chose, deuxième principe. Oui, la question de la jaquette en peau de porc, est-ce que c'est interdit ou c'est pas interdit? Hein? Alors, bon, il y a certains qui l'interdisent, mais là, il n'y a pas une transformation. Mais par contre, dans ce cas-là, il y a un autre principe qui intervient, c'est le hadith du prophète, alayhi salatu salam, qui précise que toute peau tannée devient halal. Et ça, c'est, il a vu une chèvre morte, jetée, et il a dit aux gens, pourquoi vous ne l'utilisez pas, pourquoi vous n'en tirez pas utilité? Ils leur disent, mais au prophète, elle est morte, on ne peut pas la manger. Il a dit, oui, ne la mangez pas. Mais tanner la peau,